Effectue des changements au banc d'Éric Bélanger. Longue passe pour Goyette. C'est réussi. Il va s'échapper. Goyette, un tir. Arrête la jambe. Lawrence à droite pour Doucet. Belle feinte devant Baudry. Lawrence derrière le but. Je tourne. Quel but? Josh Lawrence déjoue le gardien de but Mercer de vitesse et marque le premier but du match. Lawrence a utilisé son option de passe derrière le filet pour effectuer une feinte sur Riley Mercer. Mercer a mordu et son déplacement a été ralenti par cette feinte. Donc, excellent jeu de Lawrence qui en profite de l'autre côté pour enfiler la rondelle entre la jambière et... Lafond en pression dans le coin. Tire en fuite de Roy Lemieux! Mauvaise remise du défenseur. Roy traîne dans le cercle et a décroché un tir côté mitaine. Et c'est l'égalité 1-1. Baptiste Rousseau est resté extrêmement surpris de ce tir de la part de l'attaquant des Voltigeurs alors que son défenseur avait possession de la rondelle. Et remise qui est sortie de nulle part derrière son filet. Et Roy n'en demandait pas plus. Décoche dans la partie supérieure, côté de la mitaine. Et c'est important, Simon, pour les votes. Toléré. Et là, Mercer relance rapidement l'attaque et on va s'amener 2 contre 0. Woodward avec la rondelle. Le tir à la main! Luke Woodward! Woodward qui a utilisé son coéquipier comme appât pour le défenseur alors qu'il s'amenait devant le filet de Rousseau. Très belle patience de Luke Woodward avec une feinte du revers. Bat le gardien des Mooseheads. Et Simon, les Voltigeurs mènent 2-1. Incroyable! Quelle passe du gardien de Mercer. Là, il a vu cette séquence devant lui. Il n'a pas hésité de rejoindre le gardien de but. La pointe, tire la main! Jérémy La Pointe! Il suffisait que j'en parle, Simon, des lancers vers le filet. Peu importe la situation, dès qu'il y a de la circulation, c'est exactement ce que la pointe fait. Revient dans le cercle droit, son tir. Touche à un défenseur, la rondelle, qui a une trajectoire, ballon de plage. Et le gardien, Mathis Rousseau, ne peut maîtriser celle-ci alors que Rousseau avait perdu son bâton. Et c'est 4-1 Drummondville. On a joué vraiment de malchance de ce côté des Mooseheads. Le défenseur, c'est Moravec. Vélissac pour Schultz. Vers Vélissac au cercle. A voulu rejoindre Lawrence, a touché un patin, mais ça va à Dumais de l'autre côté. Dumais devant, un tir à la vue. Doucet marque dans un filet abandonné. La rondelle qui a dévié 2-3 fois là, avant d'atteindre Doucet qui était seul devant le filet. Et les Mooseheads qui marquent un gros but en avantage numérique. C'est exactement ce que les Mooseheads avaient besoin là, alors qu'on est tout près de la mi-rencontre ici au centre de Marcel Dionne. Un avantage numérique, on s'installe, comme tu l'avais mentionné, beaucoup de talent sur la patinoire. La rondelle qui revient dans l'embouchure et ça profite aux joueurs d'Halifax. Et l'écart est réduit maintenant à 2. Ouais, on voit à la reprise, c'est Doucet lui-même qui a étendu le bâton. Ça a fait une... dans le coin à la droite du gardien, c'est passe pour Lapointe. Lapointe en retrait pour Diop, coin de patinoire à Woodward. Woodward derrière le but, devant un tir arrêt de la mi-temps de Rousseau sur le tir de la pointe. Vélissac, coin de patinoire, calme le jeu, passe ligne bleue à Schultz. Schultz, côté droit à Dumais, tire, passe à la but. C'est Doucet devant qui complète cette belle manœuvre. Et les Mooseheads qui sont maintenant qu'à un but des Voltigeurs, c'est 4-3. On a complété la belle séquence là-dessus du côté de Doucet. C'était bien posté devant le filet de Riley Mercer. Il a battu sa couverture défensive alors que l'amoureux est arrivé juste un peu trop tard devant le filet des Voltigeurs pour contenir son adversaire. Donc, les Mooseheads qui... par la rondelle et on coupe bien la ligne bleue à ce côté des Voltigeurs. Les Mooseheads ne peuvent y pénétrer. Là, c'est Dumais qui a réussi le tir le but. Il a surpris Mercer sous le bras. Et dès l'entrée de territoire, bien Dumais marque un but très important et c'est 4-4. Une entrée de territoire, hors l'aile à droite, un tir à contre-courant directement à la gauche de Mercer, en dessous de son bras. C'est dommage parce que les Voltigeurs, là, vraiment, avaient réussi à tenir jusque-là, mais malheureusement, la pénalité à l'amoureux aurait été très coûteuse. Et c'est le troisième but en avantage pour Diot. Diot cherche une ligne, là, tire la main! Michael Diot! Un
tir de la ligne bleue, la vue voilée devant le filet de Rousseau. Et encore une fois, un autre but de la même manière ce soir pour les Voltigeurs. Diop fait preuve de patience, son tir touche à quelqu'un en défensive. Et la rondelle qui entre dans le filet au-dessus de l'épaule de Rousseau. Et les Voltigeurs qui reprennent immédiatement les devants avec... Tomov, le tir rate la cible. Elliott ensuite... Point de patinoire en territoire offensif. Roy va aller prendre la rondelle. Et Roy sort du coin. Le tir de but. Tristan Roy. 6-6 à 4. Incroyable, Simon. Quelle performance des Voltigeurs. Et là, du côté des Mousses, on s'en veut. Furlong en allant à dire à l'officiel Saint-Jacques. Mais c'est confirmé. À moins d'une catastrophe, les Voltigeurs